En manchette, aujourd'hui, de nouvelles candidatures s'annoncent pour les élections municipales. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. On est aujourd'hui le 29 septembre. Donc, on parle pour débuter d'élections municipales. On y va d'une petite mise à jour. Les candidats, candidates intéressés par la politique municipale ont, rappelons-le, jusqu'à ce vendredi 1er octobre, 16h30, pour déposer leur candidature. Nous vous parlions la semaine dernière, des candidats déjà annoncés, mais ça a un peu bougé au niveau de la MRC d'Autrey. On y va donc de cette petite mise à jour. Commençons du côté de la visitation de l'Île-du-Port. Nous avons déjà annoncé l'équipe de Yvon Poirier, mais maintenant, un nouveau candidat à la mairie se présente. Il s'agit de Alain Goyette. Poursuivons ce tour d'horizon dans la MRC. Du côté de Berthierville, des candidates pour les postes de conseiller d'autres districts se sont ajoutées dernièrement. C'est notamment le cas d'Isabelle Fontaine qui se représente, candidate dans le district 5, et Amélie Lebrun, une nouvelle personne intéressée par la politique municipale. Amélie Lebrun se présente dans le district numéro 6. Du côté de Saint-Ignace-de-Loyola, il y a également des ajouts concernant les candidats-candidates au poste de conseiller municipal. D'abord, Christian Valois se représente dans le district numéro 3, tandis que Gilles Courchêne se représente dans le district numéro 5. Dans le district numéro 1, Roy Grégoire qui sort et qui est le conseiller en poste, donc n'est plus seul dans la course. Évelyne Latour est aussi candidate dans le district numéro 1. Du côté de Saint-Félix-de-Valois, l'équipe Saint-Félix ensemble de la candidate à la mairie Audrey Boisjoli, sortante de poste, est complète. Or, il y a deux autres candidats au poste de conseiller qui se sont ajoutés, soit Jean-Claude Théoret dans le district 4, qui fera concurrence à Pierre Lépicier de l'équipe Saint-Félix Ensemble. Ingrid Eggman est la candidate pour l'équipe Saint-Félix Ensemble dans le district 5 et Ghislain Loyer est également candidat dans le district numéro 5. Du côté de Sainte-Geneviève-de-Berthier, Robert Puffal se présente ou se représente, mais cette fois comme candidat à la mairie, avec son équipe qui est aussi complète. Du côté de la ville de Saint-Gabriel-de-Brandon, une nouvelle équipe fait son apparition. Il s'agit de l'équipe du changement, avec Christian Jobidon comme candidat à la mairie. Nous aurons donc sur nos ondes, nous vous annoncerons donc la liste officielle le 4 octobre prochain dans chacune des municipalités. Un marché aux couleurs d'automne à Saint-Norbert. Pour la première fois depuis ses débuts en 2016, le marché fermier de Saint-Norbert accueillera visiteurs gourmands et clients gourmets en octobre. C'est le vendredi 8 octobre prochain de midi à 17h que les organisateurs vous donnent rendez-vous. L'ambiance automnale sera des plus chaleureuses sous les feuilles colorées des grands érables qui abritent les kiosques des artisans producteurs. Donc, à découvrir ou à encourager. Allons maintenant à la pause. We'll be right back.
en ce 29 septembre. Voici donc les anniversaires. Lorraine Hainaut célèbre son anniversaire. On le souligne à la FADOC de l'Île-du-Pas. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite aussi bonne fête à Sylvie Plante. Et la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un heureux anniversaire à Bernard Dupuis. Le Centre d'action bénévole d'Autré souhaite bonne fête à Thérèse Lavallée de Lavaltrie. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On vous invite maintenant, on parle de s'amuser au musée avec le Centre d'action bénévole d'Autré. Nous vous annoncions la semaine dernière une nouvelle activité au Centre d'action bénévole d'Autré qui a pour titre « S'amuser au musée » et c'est présenté par Paul Boudreau. Voici un extrait de ce qu'est cette activité, « S'amuser au musée ». On regarde et on écoute. Vous avez décidé de faire une série de conférences au CABA cette année. Donc, on va voyager par les musées et par l'art au lieu de voyager par les pays. Alors, ce qui est prévu, c'est de donner une série de 10 conférences qui vont s'échelonner de septembre aller à juin. Donc, une par mois environ. Et à chaque conférence, je vais traiter de 8 artistes. OK. Pour donner une plus grande variété, une plus grande ouverture possible, j'ai choisi des artistes de différentes nationalités. Il va toujours y avoir un Anglais, un Français, un Italien, un Espagnol, un Américain, un Québécois et aussi un de d'autres nationalités à travers le monde. Et des 10 conférences, on va en avoir 8 qui vont porter sur la peinture et 2 qui vont porter sur la sculpture. Et c'est ça. Et à chaque représentation, je vais projeter, en plus de parler de l'œuvre, de la vie de l'artiste, je vais projeter au-delà au moins 15 diapositives de chaque artiste, des œuvres de chaque artiste. Okay. Fait qu'au bout de l'année, ça va donner un total d'à peu près 80 artistes que les gens vont connaître et ça veut former une bonne base pour aller plus loin si les gens le disent. Est-ce que vous donnez un diplôme à la fin? Je ne peux pas dire, avez-vous la possibilité d'offrir un diplôme? À chaque conférence, à la fin de chaque conférence, on va avoir un quiz. Ah! Je vais poser 3 questions aux gens qui auront assisté à la conférence. Et à la conférence suivante, je vais piger un gagnant et on va donner une œuvre d'art d'un artiste local ou un album d'œuvre d'art. Donc, les conférences vont être disponibles en réel, donc en vrai. Donc, les gens vont pouvoir assister, mais ils vont être aussi rediffusés sur Internet et sur CTRB. Ben, donc, les gens, même s'ils ne sont pas présents physiquement dans la salle pendant la conférence, ils ont quand même un mois pour compléter le quiz et nous le retourner pour pouvoir être éligibles au tirage. Donc, pour pouvoir vraiment offrir au plus grand nombre de personnes possible la chance de pouvoir gagner de ce côté-là. Donc, le deuxième volet, c'est un volet de... donc, on voit les œuvres virtuellement, mais c'est d'aller se rendre sur place dans des musées pour aller visiter et découvrir les œuvres en vrai. Donc, ce côté-là, on est en train de le travailler actuellement. Les normes de mesures sanitaires nous ont contraints de retarder un peu le lancement. Là, présentement, ça se délousse un peu parce que avec l'utilisation du passeport vaccinal, donc ça nous donne un peu plus de latitude. D'ailleurs, les gens qui vont être présentement en présence physique pour assister aux conférences, vont devoir présenter le passeport vaccinal pour pouvoir assister. Ouais. Et pour s'inscrire, les places sont limitées aussi pour respecter les normes sanitaires. Mais après ça, les visites de musées aussi, ça va prendre le passeport vaccinal pour embarquer avec nous dans les autobus. Donc là, présentement, on a quelques activités qui s'en viennent pour l'automne. Là, M. Boudreau va les apprendre en même temps que vous à la télévision parce que ça s'est canné dans les dernières heures. Donc, le 1er octobre, donc on va, il y a la Table des aînés de la Nodière qui organise une activité pour les aînés au parc Antonio Barrette à Joliette. Donc le Centre d'action bénévole d'Autriche s'est décidé, on va
offrir le transport en autobus à ceux qui veulent y assister. Et sur place, il va y avoir une activité qui va être organisée par le Musée d'art de Joliette. Oui. Donc, et c'est une activité de création collective, de médiation collective. Donc, ça vient se joindre un peu à cette idée-là de s'amuser au musée, puis de toucher à l'art et de le vivre en vrai. Donc, ensuite, au mois d'octobre, on va avoir... La date reste à déterminer, mais ce sera, comme les conférences, un jeudi après-midi. Donc, on s'en va au Musée d'art de Joliette pour avoir une visite guidée avec un atelier de création oui. aussi sur place. Et au mois de novembre, on devrait aller à l'espace... à Repentigny, la galerie d'art. Diane Dufresne. J'avais Denise Pelletier, mais ce n'était pas la bonne affaire. Ouais. Donc, à l'espace Diane Dufresne, où est-ce qu'il va y avoir une activité, une exposition avec Armand Vaillancourt. Ah, donc, ça risque d'être fort intéressant. Donc, on devrait aller là au mois de novembre. C'est des transports par autobus à partir de Berthierville. On peut prendre les gens sur le chemin. Et on va faire vraiment la sortie au tarif réduit. Donc, c'est vraiment pour relancer les activités. Les gens sont ennuyés de bouger, de sortir. Il faut recommencer à vivre. Exactement. On poursuit sur le même sujet, s'amuser au musée. On va regarder un extrait de la première conférence de presse. Pardon, la conférence, pas pour les journalistes, pour les gens qui s'étaient inscrits. La première conférence, on regarde et on écoute. On va aujourd'hui d'abord... Comme j'ai dit, on va parler de 8 artistes et 2 rubriques. Le premier artiste qu'on va voir, c'est James Tissot, qui est un artiste qui représente la Grande-Bretagne. Puis on va se déplacer du côté de l'Espagne, où on va voir l'œuvre de Joaquin Sorolla. Puis on va aux États-Unis, M. John Singer Sargent. On va suivre la rubrique Info Techno du jour, où je vous ai expliqué le phénomène de la fresque. Puis, on continue avec les artistes. Miyuki Tanobe représente le Québec, imaginez. C'est une artiste contemporaine. Puis, on va s'attaquer à un gros morceau, Raphaël, le pilier de du peintre de la Renaissance italienne. Puis, la deuxième rubrique, le mouvement du jour, je vais vous donner les caractéristiques de l'impressionnisme. Et on va terminer avec Auguste Renoir, justement, un peintre français impressionniste. Puis, on va se déplacer vers le nord de l'Europe. On va aller voir Pierre-Paul Rubens, qui est un peintre flamand baroque. Et on va compléter avec un peintre sud-américain, M. Fernando Botero, un peintre qui est originaire de la Colombie, qui est un peintre évidemment contemporain, qui est encore en vie d'ailleurs. Et on va compléter la conférence par le quiz du mois de septembre. Alors, on enchaîne avec M. James Tissot. Donc, voici l'autoportrait. Même s'il représente la Grande-Bretagne, M. Tissot est français d'origine, comme son nom l'indique. Il est né en 1836 à Nantes. Et il a eu un père qui était drapier, donc qui vendait des soieries, des rubans, des bonnets. De sorte que Tissot, étant jeune, a frayé avec tous ces articles-là. Il a pu les reproduire plus facilement quand il eut le temps de faire des tableaux. Alors, il s'est spécialisé, M. Tissot, dans les portraits, mais pas n'importe quel portrait, principalement des portraits de femmes de la très haute société, soit française et plus tard britannique, comme vous allez voir. Alors, voici, et il a fait ce tableau de la japonaise au bec. Il faut absolument que je vous explique ce qu'était le japonisme à la fin du 19e siècle. C'était une mode. Je vais vous en parler parce que ça affecte non seulement Tissot, mais plusieurs autres artistes français. C'est une mode qui a couru, comme j'ai dit tantôt, à la fin du 19e siècle, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aller jusqu'en 1852, le Japon était une société absolument close et fermée, qui ne faisait commerce avec quelle personne d'autre, qui exportait rien, qui n'importait rien. Et ça ne faisait pas l'affaire du président américain qui aurait bien aimé vendre les produits des États-Unis sur le marché japonais. Alors, ce que le président américain a fait, c'est qu'il a monté une escadre de bateaux de guerre avec à sa tête le commodore Perry, celui qui a découvert l'Antarctique,
et ils ont pris la direction du Japon. Ils sont rentrés dans la ville de Tokyo. Et là, les shoguns qui étaient au pouvoir à Tokyo n'ont pas eu d'autre choix que de se plier à la demande, aux exigences américaines. Et à partir de 1852, le Japon s'est ouvert au monde entier. Et là, le Japon a commencé à importer des produits d'étranger et surtout en exporter. Ils ont exporté en Europe des céramiques et des estampes, dont les Français, surtout les artistes, se sont montrés très friands. Et c'est ainsi qu'il y a eu la mode du japonisme qui a duré de 1860 à 1890. Et Tissot a fait partie de cette mode-là, alors il a représenté une japonaise dans son kimono le plus joli. En 1870, il quitte Paris et s'en va travailler en Angleterre. Et là, il continue à faire des tableaux pour la haute société. Et il a fait celui-ci, ce tableau, qui représente une jeune femme dans une scène automnale. D'ailleurs, le tableau s'intitule « Octobre » et on peut le retrouver au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Il a fait également le portrait de cette richissime famille britannique. Il s'est trouvé un travail régulier auprès de la revue britannique Vanity Fair, comme caricaturiste. Il a fait ce portrait de Charles Darwin, le fameux anthropologue britannique. Puis, il s'est lancé dans des grands tableaux. Ce tableau s'intitule HMS Calcutta. C'est une scène qui se passe sur le pont d'un bateau où on voit un officier de marine qui fait la jasette, pour ne pas dire la cour, à ses deux très jolies demoiselles dans le plus beau atout. Il a fait également le portrait de cette fort jolie dame qui s'appelle Kathleen Newton, qui éventuellement est devenue la compagne de M. Tissot. Ce tableau qui s'intitule « Sur le bord de la mer » reprend à peu près le même thème que HMS Calcutta, où on voit un officier de marine, en l'occurrence un Highlander écossais, qui fait la causette avec ses deux jolies demoiselles avec des ombrelles. Il a fait un très joli portrait d'une scène dans une embarcation et il l'a appelée La Rêveuse. Ce magnifique tableau qui se situé dans une serre, on voit une préposée qui s'occupe de cueillir des fleurs, s'appelle simplement Chrysanthème. Ces deux derniers tableaux ont achevé d'établir la très bonne réputation de Tissot en Grande-Bretagne. Malheureusement, en 1882, sa compagne Kathleen Newton est décédée. Et M. Tissot est absolument inconsolable. Alors, il a décidé de retourner vivre à Paris et il a continué là où il avait laissé, c'est-à-dire en faisant des portraits de la haute société et des réunions mondaines. On voit ici cette très jolie dame dans des atouts absolument friolants qui attirent le regard de tout le monde. Il a appelé l'ambitieuse. Allons-y avec un petit rappel concernant l'autobus du Centre d'action bénévole. C'est vendredi. On rappelle que le CABA organise une sortie en autobus scolaire pour se rendre à l'activité organisée par la table régionale de concertation des aînés de la Nausière. C'est à l'occasion de la Journée internationale des aînés le 1er octobre. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles-Villeneuve
Et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rend Saint-Michel, le dépanneur, le magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. CHSLD Hitter de Rawdon le 20 septembre, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Gilberte Bonnet, épouse de feu Claude Beauchesne, demeurant à Saint-Gabriel de Brandon. Elle laisse dans le deuil son fils Léo Beauchesne, José Marcotte, son petit-fils Pascal Beauchesne, Sylvie Lavallée, sa petite-fille Cindy Beauchesne, ainsi que ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera jeudi le 7 octobre dès 13h30 au complexe funéraire Thériault, suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Madame Bonnet-Beauchesne sera inhumée au cimetière de Saint-Thomas de Joliette. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 21 septembre, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Normand Ross, époux de Hélène de Grandpré, demeurant à Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Chantal Ross, Richard Clément, Patrick Ross, Diane Aubert, ses cinq petits-enfants, Molly, Roxane, Zachary, Mathis et Béatrice, ses trois arrière-petits-fils, Thomas, Benjamin et bébé Elliot, sa sœur, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, Liette Ross, Gaétan Thibault, Clément Ross, Lucille Lebeau, Denis Aubin, feu Louise de Grandpré, André de Grandpré, Sylvie, Lamontagne, Serge de Grandpré, Lorraine Lavallée, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. M. Ross ne sera pas exposé. Une cérémonie aura lieu à une date ultérieure dans l'intimité. Au CHSLD du Piémont, à Saint-Jean-de-Matha, le 26 septembre dernier, à 88 ans, est décédée Mme Céline Martel, épouse de feu Jean-Guy Dubois, demeurant à Berthierville, autrefois de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses filles, Manon Dubois, Yves Massé, Guylaine Dubois, Éric Parent, ses petits-enfants David, Catherine, Élise, ses arrière-petits-enfants Camille, Clara et Louis, son frère Gilles Martel, Louisette Carrier, ses beaux-frères et belles-sœurs Gisèle Meunier, feu Fernand Martel, Marie-Claire Dionne, feu Simon Martel, Louis-Lise Blomer, feu Jean-Guy Martel, André Dubois, Louise Gadouri, feu Raymond Dubois, Richard Dubois, Lise Rain, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Votre sympathie peut se témoigner par des dons offerts à la Société Alzheimer de Lanaudière. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille accueillera parents et amis le samedi 9 octobre prochain dès 12h30 au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville, suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Madame Martel Dubois sera inhumée au cimetière Saint-François d'Assise de Montréal à une date ultérieure. Au CHDL de Joliette, le 19 septembre, à 83 ans, est décédée Madame Denise Chabot, épouse de feu Jean-Marc Olivier, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Manon Olivier, Gilles Filion, Stéphane Olivier, Chantal Cloutier, ses petits-enfants, Marie-Lou, Anthony Boivin, Alex Filion, Éméric Olivier, Ariane Shield, son frère, sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères, Philippe Chabot, Denise Bissonnette, Jeannette Chabot, feu Roland Valois, Marie-Ange Routier, feu André Chabot, Denise Morin, feu Normand Chabot, Claude Olivier, France Dupont, Carmen Olivier, Georges Grenier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le samedi 2 octobre prochain dès 12h30 au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30
les cendres de Mme Chabot seront déposées au columbarium du complexe funéraire le jour même. Au nom de CTRB et de tous ses employés, nous souhaitons nos plus sincères sympathies à ces familles éprouvées. Passons maintenant à la météo. Donc, météo pour les prochaines heures, météo pour aujourd'hui. Donc, mercredi soir, nuageux avec éclaircies, 10 degrés. Donc, vent très modéré, des rafales à 19 km/h. Donc, c'est très acceptable. Cette nuit, passage nuageux, quand même frais, 8 degrés. Demain, le soleil sera là, ensoleillé avec quelques passages nuageux, 9 degrés en matinée. En après-midi, très bel après-midi, ensoleillé, passage nuageux, mais 16 degrés, encore là, le vent très faible, très belle journée. En soirée, passage nuageux, 12 degrés. Et dans la nuit de jeudi, on parle évidemment de passage nuageux et de 8 degrés, donc ce sera encore assez frais. Terminons par une petite nouvelle culturelle. La couleur en mouvement de la cellule au cosmos par l'artiste Suzanne Trencia. Maison et jardin Antoine Lacombe de Saint-Charles-Borromée présente du 14 octobre au 14 novembre l'exposition de peinture acrylique La couleur en mouvement de la cellule au cosmos par l'artiste Suzanne Trencia. Dès son enfance, cette artiste se passionne pour le dessin. Elle se dirigera vers l'UQTR pour étudier la classification des couleurs. Elle s'est aussi intéressée aux différentes notions élaborées par Johannes Itten, enseignant de la couleur et de la forme. Il est notamment connu pour la création de variantes du cercle chromatique. Suzanne Trencia a ensuite travaillé les lumières colorées à travers le vitrail, les encres transparentes, le pastel sec et finalement la peinture à l'huile. La nature et les portraits ont été ses sujets de prédilection pendant environ 15 ans. C'est par hasard en 2019 qu'elle découvre la peinture fluide. La couleur est mise en mouvement grâce à cette technique devant l'œuvre. Chacun pourra ressentir une expression dramatique, un miroir de son propre univers émotionnel. Pour plus de détails sur cette exposition à la maison et jardin Antoine Lacombe, on consulte le site web de l'organisme antoinelacombe.com. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au pépite qui vous souhaite une bonne fin de journée et à demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.